Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Fight for Sub, c'est quoi ? FFS, donc Fight for Sub, c'est une centaine de streamers mis sur une map PUBG, sur trois maps. Celui qui survit le plus gagne des points. Celui qui survit le moins gagne aussi des points, mais beaucoup plus. Et en fait, sur le site, c'est celui qui a le moins de points qui gagne. Alors bien sûr, là comme ça, ça fait bizarre, mais en fait, ça a un sens. C'est parce que le... comment vous expliquer ? Le classement est fait en fonction de la position que vous avez. Par exemple, si on regarde le premier événement qui avait eu lieu il y a environ un mois, donc le FFS numéro 1, si je vais sur le classement, eh bien Mikalo avait fait top 4, top 5 et top 5, et en additionnant ses points, ça faisait donc 14. C'est lui qui avait le moins de points, c'est lui qui a gagné. Il avait fait en plus beaucoup de kills. Mikalo nous avait régalé. Merci Dukinator et Junmov pour le sub. Moi, je vais commenter les parties cette semaine. La dernière fois, j'avais joué, mais j'étais hyper pressé de mourir pour pouvoir commenter les parties. Et je m'étais retrouvé top, je sais pas combien, hyper loin. Top 84. Vous voyez, top 47, top 89, top 73. Mais tant mieux, parce que moi, plus vite je mourrais, et mieux c'était. Puisque bien sûr, je pouvais commenter les parties. Cette semaine, j'ai décidé de ne pas jouer et de commenter les parties. En plus, maintenant, si je plante, je vais pouvoir me reco à la game. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas jouer. C'était bien plus simple. Et voilà. Donc, est-ce que Mikalo va regagner ? Hein, Erpson, merci pour ton sub. On va bien voir. Lighty17 qui s'est fait offrir un sub par Lilo également. Merci beaucoup. Ainsi que Bowen qui va se sub juste après. Merci à toi. Donc, il est 20h. Il est 20h, à 20h05 on va lancer la partie. Actuellement 89 personnes dans le lobby. Je pense que ce sera à peu près le chiffre final, puisque certaines personnes ont oublié qu'il y avait l'événement. Certaines personnes m'ont dit une heure avant qu'ils n'étaient pas dispo, il n'y aura pas de file d'attente, etc. Merci Tempus pour le sub également, merci à toutes et à tous. Il y en a aussi certains qui ont whine sur les handicaps. Alors bon, les handicaps, ils ont été faits avec plusieurs personnes. C'est pas moi qui ai décidé arbitrairement, bien sûr. Je voulais pas juger les gens moi-même. Il y a peut-être des erreurs dans les handicaps. Peut-être que certaines personnes auraient dû avoir un handicap et ils n'en ont pas. Peut-être que certains handicaps sont trop forts. Merci Oskirata pour le sub. Dans tous les cas, sachez que nous on fait juste ça pour que la game soit le plus équilibrée possible. On fait pas ça pour niquer totalement la game de quelqu'un. Merci Vinorine pour le sub. Et au fond, il n'y a pas de pression, puisque bien sûr il n'y a rien à gagner dans le FFS. Et c'est avant tout un jeu de survie et pas vraiment un jeu de kill. Donc il y a deux types de handicap. Il y a le handicap tier 1, le plus faible, mais quand même un handicap, qui est distribué à Gotaga, Haro, NanarBE, Kenny, Mikalo et MXPTV. Et ensuite, on a le handicap tier 2 pour vraiment les monstrueux PGM, qui est donné à Damien 7 et THZ, qui sont deux pros de PUBG qui font des tournois et qui ont gagné évidemment beaucoup de tournois. Vous le savez. Alors, je dis qu'il n'y a rien à gagner, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à gagner. Il y a quelque chose à gagner, c'est vrai, c'est vrai. Je l'oubliais, il y a un cash prize colossal auquel, si vous enlevez la part de Twitch et les impôts, vous gagnez presque une cinquantaine d'euros. Il s'agit bien sûr des 100 subs, pardon. Enfin, du coup, là, un peu moins de 100 subs, puisque bien sûr, nous ne serons pas 100. On est actuellement 92 dans le lobby. 92 dans le lobby, mesdames et messieurs. Donc, 92 dans le lobby, c'est vraiment pas mal. C'est très bien, c'est très bien. 8 absents, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Donc, ça devrait être bien. Et voilà. J'espère que Prosper Lecu sera là pour jouer au petit poisson. Merci beaucoup, Baby Godiolo, pour le sub offert par Askimus. Merci à toi. Sachez aussi que, alors, Lapi n'est pas là cette semaine, puisqu'il est en plein progress WoW et ne pouvait pas se libérer ce soir, bien sûr. Donc voilà. Ils partent avec quoi comme handicap? C'est vrai que je vous ai même pas donné la liste des handicaps. Alors, le handicap, je vais vous les lire, parce que je les ai pas retenus comme ça de mémoire. Le handicap tier 1, c'est pas d'utilisation de painkiller, boisson énergisante ou adrénaline seringue. Merci Valentin Hant pour le sub. Pas le droit de loot ou de drop ou de loot sur quelqu'un les objets suivants, les objets du drop, donc AWM, M24, M14, etc. Et pas d'utilisation de 8x et de 15x. Voilà, ça c'est le handicap tier 1. Et au tier 2, c'est la même chose, mais en plus ils n'ont pas le droit de looter du stuff tier 2 et tier 3, même s'ils le trouvent par terre, sauf le casque tier 2, et ça c'est l'énorme différence. Et sinon, c'est la même chose. Donc la seule différence entre le tier 1 et le tier 2, mais qui est quand même énorme, c'est que le tier 1 peut être habillé full T3, et le tier 2, lui, enfin le handicap tier 2, il peut être habillé au maximum avec un casque T2 et sinon que du T1. Et ça fait une grosse différence, notamment dans le fait de tanker les balles des autres, évidemment. Peut-être des corrections à faire, on verra. On est aussi dans nos coups d'essai en termes d'organisation du FFS, vous le savez. Donc voilà. Et donc les gens qui ont des handicaps doivent surtout se placer et jouer avec le placement plutôt que d'essayer d'éliminer tout le monde, bien sûr. Ça veut dire qu'ils passent jamais au-dessus de 75% d'HP. Exactement. 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 Donc voilà. Donc du coup,
Kukunchito, merci pour le sub. Frustraz, merci pour le sub également. On est 93. Écoutez, on va bientôt démarrer, il est 20h04. J'avais dit à tout le monde que je verrouillerais la game à 20h05 et que je lancerais la partie. La game est créée depuis 19h30, donc tout le monde a pu se débrouiller pour essayer de la rejoindre. Merci Cuvette pour le sub. Il va être bientôt 20h05, donc on va lancer la game. Salut Manu, ça va ? Manu qui fait son resub. Bon, j'ai pas vu son message, dommage. Mais voilà. Bon, en tout cas, on est dans la partie. Sachez qu'on est dans la partie. La pie a même pas besoin de défendre sa place. C'est ça, parce qu'on est même pas 100. Oh là là. Enfin bon, ils ont droit à la morphine dans le colis. Je l'ai dit. Et c'est écrit sur Twitter. La réponse est non. L'adrénaline seringue est interdite. De toute façon, les gens qui ont le handicap savent très bien de quoi il en ressort. Et si vous voyez quelqu'un qui a le handicap tier 1 qui s'habille avec... quelqu'un qui a le handicap pardon, tier 2 qui s'habille avec du T3 et tout, vous me le dites. Hein. Vous me le dites. Vous surveillez. Ah oui, on a aussi interdit quelque chose. Il est 20h05, on va lancer, vous inquiétez pas. On a aussi interdit quelque chose, c'est on a interdit d'être en vocal. Certaines personnes m'avaient rapporté des abus visiblement entre plusieurs streamers qui communiquaient entre eux alors qu'ils étaient encore dans la game. Je ne sais pas de qui il s'agit et honnêtement, je m'en fous. On a tout simplement interdit purement et simplement le vocal entre deux streamers, sauf s'ils meurent. Auquel cas, si les deux sont morts, ils peuvent communiquer entre eux. Donc voilà, si vous voyez des gens communiquer en pleine game, report et banni à vie. D'accord ? Donc voilà. Allez, on est 93, mesdames et messieurs. Je vais lock la game. 94 même. Ah oui, parce que c'est vrai que quand on lock, on a le truc d'observateur qui compte pour un slot. Donc il manque 6 personnes. C'est à peu près les gens qui m'avaient dit qu'ils seraient absentes. Je pense que tout va bien. Arrêtez de floude sur le chat, s'il vous plaît. Ah non, vous arrêtez pas de floude. Allez, ça passe en sub mode. Merci beaucoup à tous. Alors, on va go. On va partir. Merci à toi, Morn Grimragar, pour le sub. Merci à toutes et à tous. Link dit que t'as pas de couilles. Ah, mais c'est pour ça que je participe pas, moi, avant tout. C'est parce que je veux pas que les gens voient que sinon je serais extrêmement nul, quoi. Bon, eh ben on est bon, je pense. C'est parti pour la game. La game se lance. J'ai appuyé sur start, donc ça va démarrer incessamment sous peu, bien sûr. J'espère juste... Bon, on est 94 dans le lobby. 94 moins 1 pour moi, donc ça fait 93. Il y a 93 joueurs, normalement. 93 joueurs. Sachez que le score s'actualise sur le site en temps réel, sous réserve des modérateurs qui mettent un peu de temps, mais qui remplissent, vous inquiétez pas. Merci beaucoup à toute l'équipe derrière, ceux qui codent le site, mais aussi les modérateurs qui remplissent le score en temps réel, bien évidemment. The Perez 86, merci pour ton sub. La game est en train de se lancer, vous en faites pas. Hein. On clique, initializing server, y a pas de souci, ne vous en faites pas, tout va bien. Et c'est parti ! C'est parti, mesdames et messieurs, pour le FFS, deuxième du nom. Je vous ai expliqué toutes les règles, maintenant, la communauté, vous pouvez répondre aux autres, bien sûr, s'il y a le souci. Donc, si des gens ont raté la game, bien sûr, eh bien, ils auront 94 points sur la première partie et ils pourront venir à la deuxième. En fait, ils ont un point de plus que le nombre maximum de participants. Car là, il y a plus de 90 streams qui attendent. On ne peut pas se permettre d'attendre les autres. La game est créée depuis plus d'une demi-heure. Donc, c'était à eux de s'arranger. Tant pis. On y va. À l'attaque. La hype qui va être le premier mort. Ah, je sais pas. Je sais pas qui va être le premier mort. Si vous voulez un accès au site, évidemment, allez sur Twitter. J'ai mis l'adresse. C'est précisément écrit. Merci de Nadeku pour le sub. On va mettre un petit peu plus petit les notifications de resub, je pense. Voilà, comme ça, on aura accès au jeu. Alors, on a beaucoup de gens qui sont là. Écoutez, on va pouvoir se balader entre les gens. Alors, évidemment, il y a des gens plus favoris que d'autres, hein, bien sûr, puisqu'ils ont les handicaps. Je vois Narcus ici, je vois Pirorka, je vois Hugo Délire, je vois Pacam, je vois Kameto, je vois Moment, je vois beaucoup de gens, je vois Naomé, je vois Eyar, Pantoufoot de Foc, I Kill You, Yuna, Sakabit, Chris, Hero, Link, Pirou, Jogo, Dalkai, Jiraya Télévision. Beaucoup de gens qui sont là. La game commence dans 36 secondes. 36 secondes, mesdames et messieurs. Et voilà. On a Trinity, on a Narcus, Zoltan, McLaughlin, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont là. Aro, Maxildan, Beast Model, Mr. B-Boy 45, Mikalo, Ilius. Honnêtement, j'ai été plutôt sympa, puisqu'évidemment, j'ai lancé la game à 20h06 ou 7, je crois. Donc pas mal. Pas mal, finalement. Maxnack, merci pour le sub. Merci beaucoup, Maxnack. Voilà. Et Gotaga. Quoi, Gotaga ? Qu'est-ce qui vous arrive avec Gotaga encore ? Qu'est-ce qui vous arrive encore ? Gotaga qui a bug. Alors, on peut se reconnecter, hein, normalement. Gotaga était dans le lobby, ça n'a pas lancé pour lui. Comment ça ?
Comment ça? Alors là, c'est toujours compliqué en tant qu'organisateur d'événements. Est-ce qu'il faut relancer une game parce que quelqu'un a bug ou est-ce qu'il faut quand même lancer la partie? C'est assez compliqué parce que si on lance la partie, ça veut dire qu'il faut communiquer avec tout le monde et leur dire que tout est annulé. Il faut que tout le monde rejoigne la game. Ça va prendre pas mal de temps. Tout le monde va devoir requitter et rejoindre la game. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, il faut prendre une solution. Il faut prendre une solution. Et en général, la solution, c'est en général de faire un remake. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un remake. Donc on va relancer et je vais vous demander de dire à tous les streamers qu'on va remake puisque on va avoir droit à un remake et en général on n'en fait pas plus d'un seul sinon ça fout la merde bien évidemment. Donc je vais remake la game, ça peut arriver, c'est comme ça, le jeu est encore en phase d'early access, vous le savez, il passe en release le 20 décembre. Mais Gotaga était là, il était à l'heure, il n'y a pas de raison d'essayer au moins une fois de faire un remake. Par contre, si ça replante, eh bien il n'y aura pas de deuxième game. Je vais quand même l'écrire aux participants. Un seul remake, car il y a des gens qui ont bug dans le lobby. Après ce remake, il n'y en aura plus. Voilà. Donc, on est obligé de tester le remake, c'est normal, on n'est pas non plus des salauds. Par contre, alors le truc, c'est que là, il va falloir que tout le monde quitte la game, il me semble. Et ça, c'est un peu le truc, voilà, un petit peu chiant. Parce qu'en gros, là, je peux pas annuler la game. En gros, quand je suis dans PUBG, tant que tous les streamers n'ont pas quitté la partie, là, au lieu d'avoir le bouton Create Game, j'ai Join My Game. Et du coup, bah ça, c'est un peu un petit problème. Parce que il va falloir que tous les streamers quittent la partie. Que tous les streamers quittent la partie avant que je puisse recréer la game. Donc malheureusement, il va falloir attendre que tous les streamers aient l'info, qu'ils quittent la game, etc. Ça, ça prend pas mal de temps, ça va prendre beaucoup de temps, il va y avoir du retard dans l'événement, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Kick-les tous. Ah, c'est une bonne idée ça! Je vais faire ça. Fail to join. Ah, on peut pas join la game! Eh ben ok, c'est pas grave. Oh là là, the service is not available. Oula, calmez-vous, calmez-vous! Le jeu qui pète un plomb. Vous inquiétez pas, c'est du direct, tout est contrôlé. C'est vrai que j'aurais pu rejoin et kicker tout le monde. J'aurais même dû faire ça en fait de base. Les gens auraient dit, oh putain, je me suis fait kick et tout. Voilà une décision très pro, Zera, nos sarcasmes. Ouais, bah on est obligé, je suis obligé de le tenter un remake en fait, c'est normal. Qu'est-ce que je fous? Join my game. Ah, et du coup, je peux pas rejoin my game. Oh là 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 là. C'est terrible. Bon, c'est pas grave, je vais relancer le jeu. Voilà, c'est comme ça. En fait, il n'y a pas de souci qu'un événement soit en retard à cause d'un bug qui n'est pas de votre faute. Là, en l'occurrence, PUBG. Mais si c'est un événement en retard parce que c'est votre faute, que vous n'avez pas été pro, que vous avez été en retard vous-même, etc. Là, ça fait chier. Mais quand c'est en retard parce que le jeu bug, bah écoutez, ça arrive, c'est comme ça, c'est une phase d'early access. C'est comme ça. Enfin bon. Gotha était dans le lobby, il était 65. Oui, je sais. Il n'y a aucun problème, c'est un bug qui arrive. C'est un bug connu, on l'avait déjà eu. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Alors, est-ce que je peux rejoin ma game? Je peux pas rejoin ma game. Ok, bah tant pis. Je peux pas du tout rejoin ma game. Je vais parler à Xavier. Comment voulez-vous que je parle à Xavier? je peux parler à personne en fait. MV bite rien. Bon, je pense qu'il a des modérateurs. Si ses modérateurs lui floutent le message à l'infini, comme quoi il faut quitter la partie, il n'y a pas de problème. Ah, attendez. Hop. C'est ce que je vous disais en fait. En gros, là, il va falloir communiquer à tous les streamers le fait qu'on doit rehost la game. Ça va prendre pas mal de temps. Le temps que tous les streamers comprennent, qu'ils se disent, ah, mais je vais pas quitter. Je vois qu'il y a encore des gens qui sont dans le truc, dans les vivants en haut. Pourquoi je quitterais alors qu'il y en a qui ont pas quitté? C'est peut-être faux. Vous me donnez peut-être une fausse info. Vous voulez m'embrouiller et tout. Donc voilà, c'est un peu difficile. Un peu difficile à organiser un remake. Mais on le fait. On le fait. Évidemment. Merci à toi, Lapinbox, pour le sub. Xanos25 également. Chum aussi. Merci beaucoup Maxnack, Nadeku. Et on le fait pas parce que c'est Gotaga, on le fait parce qu'on l'aurait fait quoi qu'il arrive si on avait eu un problème avec n'importe quelle communauté. Parce que je vous vois venir en mode ouais, si ça avait été un petit streamer, c'est n'importe quoi. Non. Comme je vous l'ai dit, moi en général je me donne le droit à un remake. Ah, ça y est, je peux créer la game. Ok, génial. FFS 2 remake. Alors une seconde, je recrée la game. Je vais la créer. Hop là. Your custom game already exists. Ah bon. Ah, ça c'est chiant. Ça veut dire que je peux pas créer. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là j'ai le bouton create, mais je ne peux pas créer. Your custom game already exists. C'est parce qu'elle est encore en cours. Ok. T'aurais pas dû, c'est trop le bordel.
Et ouais, j'aurais pas dû, et m'a tiré les foudres de toute la communauté d'un streamer qui aurait eu la grande déception de ne pas jouer alors qu'il a bloqué sa soirée, qu'il était à l'heure, que ce n'était pas sa faute. Donc voilà, j'aurais peut-être pas dû. C'est toujours pareil. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution dans ces cas-là. Les deux solutions sont merdiques. Rester dans la partie, c'est merdique. Faire un remake, c'est merdique. Donc il faut prendre une décision. Moi, en général, je me dis, je fais un remake. C'est la solution que j'ai envie de tenter. Et voilà. Et je regrette pas, il n'y a pas de problème. Bon bah j'attends de pouvoir créer, là je suis en train en fait de cliquer sur Create Game toutes les deux secondes pour essayer de créer. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, hein. C'est-à-dire que là, en gros je suis là. Allez affiche-toi le jeu. Je suis sur le jeu. Et là je fais Confirm, et là j'ai Your Custom Game Already Exists. Paf. Et voilà, donc je clique de temps en temps pour réessayer, mais il faut que tous les streamers quittent. Le mieux ce serait que vous regardiez les streamers français qui sont sur PUBG. Et quitte ton serveur, leur game va stop. Alors c'est déjà fait, hein, j'ai déjà quitté depuis longtemps. Le mieux serait que vous allez sur les streams des streamers qui stream là la game et de leur dire quitte la game, on remake, on attend plus que toi, il faut que tu quittes la game. Voilà. Et moi je les blâme pas, c'est-à-dire qu'ils ont pas l'info. Et quand les viewers viennent leur dire ça, ils se disent oh, peut-être qu'on m'arnaque et tout. Mais voilà. Si Raza ne quitte pas, les gens ont pas live. Non, certains n'ont pas live, je pense que certains ont compris. Et d'autres... Et d'autres, voilà. Gary School a sub only. Non, mais ça, y a pas de souci. Mais juste, il faut que vous alliez communiquer. Que certains communiquent en mode il faut quitter la game. Voilà. Sinon, je passe dans tous les chaînes Discord. Je vois qu'il y a des gens et je leur dis de quitter la game. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Bonjour, il faut quitter la partie. Bonjour. Oui, c'est fait. C'est fait d'accord. Bonjour, il faut quitter la partie. Mais bonjour, il faut quitter la partie. Bonjour. Bonjour, il faut quitter la partie. 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 C'est bonjour, on est. Bonjour, il faut quitter la partie. Bonjour, il faut quitter la partie. Bonjour, il faut quitter la partie. Voilà, ça c'était pour les gens qui étaient sur des chats Discord où vous pouvez leur parler. Donc là, ça fait déjà pas mal de streamers qui sont au courant. Et c'est déjà pas mal. On fait ce qu'on peut. Au pire, prends un autre compte d'un partenaire PUBG Kenny pour créer une autre game. PS, tu es génial. Pas le temps. Enfin, en fait, le truc c'est que si j'avais su que ce scénario aurait été possible, j'aurais peut-être pu anticiper des alternatives. Mais je pensais pas qu'on aurait ce genre de bug. Et je pensais qu'en lançant la game à 20h05 avec tous les gens qui étaient là, ça aurait été bon. Malheureusement, c'est pas le cas. Et tant pis. Mais bon, c'est pas de notre faute. Donc y a pas de soucis. Docteur Lafrite, merci pour le sub tier 1. Merci Fat Freakid pour le sub. Draskill, pardon, pour le sub. Je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise solution. C'est ça, exactement. Exactement, c'est une patate. Bon, la game existe toujours, donc il y a encore des gens qui sont dans la game. Je viens d'apprendre que je suis papa, moment formidable. Oh, Camille THBRT, nice. Vous allez avoir son message juste ici. Padam ! Ah non, après. Bravo à toi, félicitations. Félicitations, Camille THBRT. Stylé. La faute à Gotaga. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout la faute à Gotaga. Si son lobby a planté, c'est la faute du jeu, c'est comme ça. Donc on attend. Maintenant, il faut juste que tous les streamers comprennent qu'il faut quitter. Voilà. C'est comme ça. Alors. Die ENB, merci pour le sub. Et merci Mui pour le sub également. Merci à tous. Bon, bah on attend que les streamers live, hein, tout doucement. DayNB, merci pour le sub. C'est quand même dommage parce que les gens qui stream ont tous un chat pour les prévenir et du coup, ils ont pas l'info. C'est quand même assez bizarre. Je me demande bien qui n'est pas dans la game actuellement. Enfin, qui est dans la game et maintient la game en vie. Moi, je vais tenter de relancer mon jeu pour être bien sûr. On sait jamais avec ce jeu. Et puis, cela dit, fermer PUBG pour le relancer, on sait jamais. Lutch a pas quitté. Bah, dites-lui de quitter. Dites-lui, en fait. Et si tout le monde quitte sans avoir été mort, est-ce que la partie ne se termine pas jusqu'au bout du fait qu'ils sont encore vivants? Non, 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 je pense pas. Ça m'étonnerait beaucoup. Faut lire le mec avec les beats. Déjà lu. Speedself, merci pour le sub. Certains lisent pas leur chat pour tryhard. Ah, c'est dommage. Zera le don, déjà lu. Lutch est en game, dites-lui de live. Ah, mon pauvre Gotaga, je vois Gotaga sur le chat. Mais c'est pas ta faute, y'a aucun problème. Aucun souci, Gotaga. Jamais je dirais que c'est ta faute.
car ce n'est pas le cas. Et si vous pensez que c'est la faute de Gotaga, vous vous trompez, c'est la faute du jeu. Terrible. Ils regardent pas leur chat, faut aller leur parler in-game. Moi je peux pas rejoindre la game, donc voilà. Moi j'ai aucune solution actuellement. La seule solution que j'ai, c'est attendre. Attendre. Voilà. En espérant qu'il n'y en ait pas, la prochaine fois tu pourras kick les gens avant de live la game. C'est vrai. Non mais c'est vrai que j'aurais dû faire ça. J'aurais pas... En fait, je ne penserais pas... J'en étais pas au stade où... Ah, attendez. Ah, je crois que je peux... Attendez. Est-ce que je peux destroy la game? Ah, j'ai cliqué sur destroy la game mais ça marche pas. Ah, attendez. Ça marche pas. J'ai l'impression que ça va pas marcher. Parce que moi j'ai un bouton pour kill la game, mais là ça marche pas. Est-ce qu'il y a encore des gens en game là? Pour ceux qui regardent le truc. Ok, ça a l'air d'être bon. Ok, ça met que ça marche pas, mais ça marche en fait. Cool. Bon, ça a l'air bon du coup. Nice. T'as encore moins de retard que Top Gun. Mais ça c'est toujours. Toujours, toujours. Toujours, évidemment. Évidemment. Ok, ça a dit que ça marchait pas, mais ça a marché. Nice! Eh ben écoutez, on va lancer. On va lancer. On va lancer à 20h30, je pense. Voilà. Voilà, on va rejoindre à 20h30. Les gens ont 10 minutes pour join la game, sachant qu'ils étaient tous devant leurs ordi en train de jouer normalement. Donc normalement, il n'y a aucun souci. Les gens ont jusqu'à 20h30 pour join la game. Donc à 20h30, on lance, quoi qu'il arrive, sauf si on est 94 avant, enfin 93. Bonjour, il faut quitter la partie. Exactement, l'Inquinito. C'est ce que j'ai dit plusieurs fois. Merci Nalak pour le sub. Bah cool, je sais pas si t'as des contacts chez PUBG, mais un petit système d'annonce in-game dès que le host écrit un message en spec pourrait être nice. C'est vrai, pourquoi pas, mais c'est... en fait ce serait jamais utile à part pour cet événement-là, donc je doute qu'il le développe. Merci Kirit pour le sub. Eric Tofu également. Bonjour, connaissez-vous Twitch Prime? N'hésitez pas une seule seconde, bénéficiez d'un abonnement gratuit. Merci SmileX56. Merci beaucoup. Et voilà, en tout cas vous êtes très nombreux, mais sachez qu'on va démarrer. T'as loupé un sub et un don. Non, ils ont été lus juste pas quand ils étaient affichés, mais juste avant. Il y a bientôt plus de retard que pour le KTP. Non, croyez-moi, bon, c'est pas le vrai IPR, je pense, mais croyez-moi, les KTP, il n'y a rien de plus en retard qu'un KTP. Ça, il n'y a aucun souci. Ça, il n'y a vraiment aucun problème. Ça, il n'y a vraiment aucun problème. Bien joué, Camille, un viewer de plus. Coucou, tu veux voir ma pizza. Merci beaucoup pour ton message. Alors, la game commence à 20h, pas après qui disait. Ah, ça a commencé à 20h05, comme on l'avait dit. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y avait quand même tous les gens qui avaient prévu d'être à l'événement. Ils étaient tous là à 20h05 et ça, ça me fait plaisir. Tout le monde s'est organisé, ça fait plaisir. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mister Rafox 60, merci pour le sub. Merci beaucoup. Voilà, il est là. Mister Rafox 60. Si, si, c'est le vrai Hypierre. Ah ouais? Pauvre Hypierre. Bah, désolé, c'est pas ma faute si on peut prendre n'importe quel pseudo en faisant une donation. La première est déjà finie. Non, on a planté, on fait un remake. Azaku, merci pour le sub. Merci pour le sub à l'Azerator Télévision. Alors. Bon, j'ai pas coupé la VOD YouTube, hein. Comme ça, vous avez les insights de l'organisation d'un événement sur un jeu en early access. C'est dingue ça, tous les streamers sont obligés de justifier le fait d'avoir recommencé la partie. Merde, ils font ce qu'ils veulent. Hein? Quoi? Comment ça? What the fuck? Je ne comprends pas ce que tu as dit. Non, on comprend pas quand tu parles. Merci Touf Touf. Allez, on démarre dans 7 minutes et il manque environ 5-6 personnes. Kipiol, merci pour le sub. Merci beaucoup. Il manque 5-6 personnes, normalement tout va bien. IPR vient de s'abonner. C'est vrai que moi du coup je peux plus gagner le FFS. IPR qui s'abonne, incroyable. Génial, IPR qui s'abonne. Bravo. Seigneur Dovakin, merci pour le sub. Après les streamers se sont pas dit, tiens il reste 40 personnes après 5 minutes de game. Oh non non, tu sais il y a même des gens qui ont jamais joué au jeu qui participent. Enfin qui ont fait genre 2-3 games tu vois. Donc je pense pas qu'on en soit là en termes d'analyse sur la game, sur la game suivante. Évidemment. Sympa le stream en 160p. Arrêtez. PUBG en 360p, je suis pas habitué, je vais souffrir. Mais de quoi vous parlez, c'est pas moi? Ce serait trop au-dessus Zera. Ah moi j'étais obligé de me suicider pour faire croire que j'étais pas assez fort au jeu. Enfin c'est un vrai métier vous savez. C'est un vrai métier. Sprint CS, merci pour le sub. Bon ça va, on a remake assez vite, on est 92 dans la game actuellement. On va lancer à 20h10, à 20h30 pardon je pense. 91, ça se remplit tout doucement.
Chimini Babo, merci pour le sub. En tout cas, merci à tous d'être là pour le FFS encore une fois. On va avoir donc une petite demi-heure de retard. Je vous prie de m'excuser sur ce retard. C'est indépendant de notre volonté, mais c'est en retard quand même. On a eu un plantage sur la première game de Gotaga qui n'avait pas. Son jeu ne s'était pas lancé alors qu'il était dans le lobby. Donc, c'est pas du tout de sa faute. Et donc, on a décidé de faire le remake, l'unique remake. C'est toujours une décision très difficile à prendre quand vous êtes organisateur, savoir est-ce que vous allez demander à une centaine de communautés de quitter la partie pour rejoindre et donc accumuler du retard, ou est-ce que vous restez dans la partie, mais vous dites à une communauté assez grande en plus de qu'on s'en fout complètement de leur streamer et qu'on fait la première game sans lui et que tant pis, il n'a pas planté même si c'est pas sa faute. Les deux solutions, des avantages et des inconvénients. J'ai tenté un remake et si ça replante, par contre, on ne refera pas de remake. Voilà. Warster the Hamster, merci pour le sub. Merci beaucoup. Drafty Dev, merci pour le sub à l'Azerator Télévision également. Remake du Charity Event PUBG. Oula, non, pas du tout. Pas du tout, puisque évidemment, tant qu'on n'a pas 4 heures de retard sur la première game, on n'aura pas, pas un remake de cet événement-là. Et puis ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On a même pas eu un seul truc à cause de ça. C'était juste qu'on avait des soucis de création de vitesse des games. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Alors je précise quand même que les games sont en settings tout à fait standard. Donc il n'y a pas de settings spéciaux, c'est les games normales de PUBG, on ne modifie absolument rien. Merci Looping 881 pour le sub, merci à toi. Partons du principe que 50 mecs plantent, toujours pas de remake, 50 mecs ne planteront pas. Ça voudra juste dire qu'ils ont menti et qu'ils n'ont pas planté. Mais là par exemple, si 2 personnes plantent au lancement de la game, on ne remakera pas. Voilà. Il y a des problèmes avec Twitch pour ceux qui sont chez Orange. Ah, il y a Dwagby sur le chat. Dwag, bye bye bye. Salut. Important, Zerator, t'as Siraza qui a fermé son chat et qui ne quitte pas. En fait, la game est kill. Hein. L'autre game est déjà créée, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il a quitté. Si une personne ne peut pas rejoindre pour des raisons techniques, pas de remake de game, mais la personne verra ses points doublés à la suite. Hein? Pas compris. Yarastumi, merci pour le sub. Merci pour la donation. Eklemniak, merci pour le sub juste après. J'ai Orange, j'ai zéro problème bizarre, puis pourtant j'ai une quoi 1 méga. En fait, ça dépend de là où vous êtes et du routing. En fait, c'est, j'imagine que les gens qui sont en région parisienne ou en Île-de-France doivent avoir des problèmes. Du coup, beaucoup de gens statistiquement ont des problèmes. Et du coup, les gens pensent qu'il y a des problèmes surtout Orange. Mais si ça se trouve, c'est qu'en Île-de-France, ça dépend du routing, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc voilà. Alors, on va pouvoir start dans 4 minutes. Nous sommes 91, 92 dans la game actuellement. En fait, ça fait du yo-yo entre 92 et 91, je sais pas pourquoi. Et on était 94 tout à l'heure au lancement de la game, donc il manque 2-3 personnes, je ne sais pas qui ne rejoint pas ou n'arrive pas à rejoindre. Mais dans tous les cas, on lancera quoi qu'il arrive à 20h30 pile. Et voilà. En Floride, ça marche bien. Oui, bon, après, vous n'êtes pas obligé de nous préciser où vous êtes et si vous avez le stream. Hein. Voilà, c'est pas obligatoire. Vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Est-ce que c'est vraiment utile? On ne sait pas. Poète. Je regarde un petit peu les messages pour voir si s'il y a des soucis, mais normalement ça va. Organisation, tout le monde a l'air d'être prêt. En fait, là, je vois personne qui rejoint la game, donc peut-être des gens ont abandonné. Jojo Raptor, merci pour le sub. Je sais pas, eux ils nous dire des conneries là sur le chat et nous dire où vous habitez et tout, parce que a priori on s'en fout pour l'instant. Est-ce que vous pouvez nous dire qui n'arrive pas à join? Puisque j'ai l'impression qu'il y a 3 ou 4 personnes qui n'arrivent pas à join. Enfin, 2 personnes. En fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes de moins que la game précédente. Alors, soit c'était des gens qui n'étaient pas conviés dans la game qui se sont incrustés, soit il y a 2 personnes qui n'ont pas join cette game et on les attend plus que 2 minutes. Donc voilà. Pourquoi Maxildan live sur la chaîne le stream et pas sa perso? Parce que j'ai pas communiqué publiquement comme quoi les gens ne devaient pas live sur des TV mais sur les persos. Donc il n'y a pas de souci pour cette édition là, mais aux prochaines éditions il faudra live avec ses persos. Mais je le préciserai parce que là je l'ai pas vraiment précisé, je l'ai juste dit à l'oral comme ça sur un de mes lives. Et voilà. Mais il s'est inscrit avec sa chaîne perso, donc il n'y a pas de souci en fait. Pas vraiment de souci. C'était plus les inscriptions dont je parlais à la base. Donc voilà. Alors, tu comptes pour une personne après le lock. Ouais, je sais. C'est pour ça que je dis qu'il manque 2 personnes. Donc voilà. J'arrive pas dedans. Nem, ça crache et reboot. Plus qu'une minute.
Plus qu'une minute pour eux. Ok, Ryuz, 25, merci pour le sub. Jojo Raptor, merci pour le sub. Jiraya est pas dedans. Bah après, le truc, c'est que j'ai kill la game. En gros, ils ont eu 15 minutes presque pour join la game. Donc en vrai, je comprends pas très bien... Je comprends pas très bien comment ils peuvent pas être là. Bon, Nems, visiblement, un crash. On va attendre que Nems arrive. Et on va go. Une fois que Nems sera là, du coup, je vais essayer d'identifier... Ah, ça a l'air d'être bon. Attendez, 92. Il manque une personne. Donc c'est soit Nems, soit Jiraya. J'imagine que c'est Nems, puisque c'est lui qui doit reboot. Et donc reboot un stream et tout. C'est vrai que c'est un peu chiant. Est-ce que Jiraya est là? Jiraya est là. Donc il manquerait que Nems, a priori. On va l'attendre, on va go. Même si on devrait pas l'attendre. Mais que voulez-vous? Je suis trop bon. Thered Maskas, merci pour le sub. Je suis trop bon. Kill la game, ça l'a pas arrêté en fait. Si, je pense. Parce que sinon, j'aurais pas pu recréer. Kazadov, merci pour le sub. On attend Nems. Et on va go. C'est la seule chose qu'on attend. Et voilà. Parce que là, on est 93 dans la partie. 93. Donc, on attend vraiment que Nems. Et tout ira bien. En espérant que tout ira bien. Nems est là. Je le vois pas dans la game. Vous avez beau m'écrire qu'il est là. Après, Nems a peut-être rallumé son stream, mais je parle dans la game. Hein. Je parle pas de est-ce qu'il a allumé son live ou est-ce qu'il a fait un tweet. Hein. J'essaie de le chercher dans la game parce que les gens se sont mis à des emplacements un peu random. Nems est là. Vous êtes sûr qu'il est dans la partie? 94 avec toi. Non, on est 92 actuellement. Sans me compter, donc 93. Je vois pas Nems dans la game. Vous avez beau me dire qu'il est là. Numéro 21. Ok, il y est. Cool. Bon bah du coup on est quand même que 93, ça veut dire qu'il manque une personne. Tant pis! Je sais pas qui c'est, il fallait qu'il se manifeste. On lance la game, c'est parti. Let's go. Let's go, let's go, on est déjà bien trop en retard. Bien trop en retard, il y a eu 15 minutes pour rejoindre une partie de PUBG. Je pense que ça va. Je pense que ça va. en termes de temps pour rejoindre une partie. Je pense que tout le monde peut y arriver. On y va, cette fois-ci c'est bien parti. On est donc, enfin ils sont donc 93 normalement dans le jeu. Et c'est parti. Oh, éviter la catastrophe. 20h31. Donc avec 25 minutes de retard sur le lancement prévu officiellement, c'est parti maintenant. C'est vraiment parti. Voilà. Ah, enfin! Donc allez encourager vos streamers préférés. Et n'oubliez pas, si vous en voyez qui trichent, qui ramassent des trucs qu'ils ne devraient pas ramasser parce qu'ils ont des handicaps ou parce qu'ils discutent en vocal alors qu'ils sont pas morts avec leurs potes et qu'ils sont pas morts non plus, c'est kick, bad life, etc. Ok! On est dans la partie. Bon, alors, évidemment, on est dans les settings normaux des games. Ah, c'est moi qui vais planter cette fois? Non, ça va. Tout va bien. Donc, on a Damien, on a Mangor. Alors là, si quelqu'un plante, on ne remake pas. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de deuxième remake. Il n'y aura qu'un seul remake, donc tant pis. Si quelqu'un plante, il attrapera la game d'après. Désolé pour lui, mais ce sera comme ça. Donc vous voyez un petit peu vos streamers ici qui sont en train de se déplacer. Je vois Gotaga tout là-bas. Donc Gotaga est bien dans la game. Tout va bien. Tout va bien. Moi, je ne joue pas dans cet événement FFS. Je ne joue pas pour le bien du tournoi. Déjà parce que je gagnerai forcément. Et ensuite parce que, bien évidemment, ça me permet de rejoindre la game si jamais je plante en tant qu'observateur. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est très bien. 25 minutes de retard, ça va. Oui, ça va en vrai. Ça va, c'est pas le stream qui a eu un retard, on a eu un problème à cause du jeu, ce qui vient d'arriver. Alors on est que 91 dans la game. Je sais pas pourquoi, on devrait être 93. Donc il y a deux personnes qui sont encore en chargement, ça veut dire. Mais il y a des fois, il y a des gens qui chargent jusqu'au pop de l'avion. Hein. Donc ne vous affolez pas, ça pourrait être normal. Ça pourrait être normal. Là par exemple, les gens qui bougent pas du tout dans le jeu, ça peut être des gens qui sont encore en chargement. Il y en a que deux normalement. Il y en a que deux normalement. 90, avec carrément une personne qui a quitté. Mais normalement, les gens qui sont dans la game, ils peuvent se remettre. Hein. Donc, enfin, ils peuvent revenir. VOD. C'est bon, la VOD, vous en faites pas. C'est bon depuis 20h. Ça fait déjà une demi-heure de VOD, les pauvres. Les pauvres. 72, Steph, merci de ton sub offert par Laznou. Merci beaucoup. Mais bon, j'avais dit qu'on lancerait la game si on était plus de 75. Et là, on est 90, donc c'est très bien. On est prêts. On est tous prêts. Évidemment. Allez, c'est parti, tout le monde est dans l'avion, ou presque. On va ouvrir cette map pour voir un petit peu de quoi il s'agit.
Attendez. Alors l'avion qui fait à peu près, c'est marrant la trajectoire que qu'on avait à la game d'avant. Donc l'avion qui fait nord-est, sud-ouest, et c'est parti pour la première game de FFS, mesdames et messieurs. On va voir qui se décide à dropper au tout début. Alors on a eu Jidias, Balrog 22, Pacam, Chachatoy, Fucano, Chelsea, Naomi, Heyar, Alexa, je sais pas qui c'est, Jeff 972, Futur 337, Show, DJ Boucherie, Mikalo, Mangor, Mr B-Boy 45, Jiraya, Yonix TV, Damien, Beast Model, Terracid, McLaughlin, Tuffers, Ross en Cube, Sanois, What the Fuck, Ace Modai, XU TV, Lutch, Niège Dan, Kenny Stream, Dalkai 59, IKU, Skok, Arcos, Neiruo, As de Pig, Dizzy, ES, Maître Armand, Sur à la Caissière, Humility FR, Xerak, Jogo, Lutti, Gary School, Siraza, Pika Power, Hypierre, Pirou, THZ, Aro, Hugo Delir, Magic Vodka, Drunge, Atrocious Cast, Juice, Gotaga, Dim, Gigi, Mr. Timoth, Maxildan, Link, Shisheyu, Neila, Yuna, Kedrian, Kameto, Nanarbiceps, Kunfuz, Robalas, Sir Thomas, Caribou, Princess Poons, Ezor FR, Malaria, Chris, Mr. MV, Ilius, Mixi Trinity, Pantouf, Sakabit. Marrant, ça s'appelait Sakabit pour un événement communautaire. Pirorka, Zinco. Et le streamer qui s'appelle Malaria, c'est vraiment son vrai pseudo? C'est quand même étrange, non? Pour les marques, ou des sponsors, ça se passe comment? Quoi votre pseudonyme? J'adore le cancer. Ah ouais, c'est pas mal. Bah écoutez, bienvenue chez nous, pour le sponsor, ça va bien se passer. Non, c'est bizarre, non? Ça doit être étrange. Enfin, moi, je juge pas. Je me dis, en termes de carrière, ça va peut-être t'apporter des choses intéressantes, quoi. Mais bon, après, écoutez, il y a bien un famous YouTuber qui s'appelle Super Connard. Je pense que tout est possible à partir de là, non? Hein? Pourquoi pas? Alors, qui va mourir en premier? Qui va mourir en premier? En tout cas, on a droppé Military ici pour pas mal de gens. Pochinki, pas mal de gens dans Pochinki également. Alors oui, évidemment, quand je switch sur quelqu'un, vous aurez un petit peu voilà, des coups de pression comme ça, avec un petit peu de lag. Mr. Timoth qui était là à Pochinki, puisque bien sûr, vous le savez, hein, c'est comme moi avec Rozok, Timoth et Pochinki. Merci pour les subs! Bush, Mister Jojo et Wankor59. Si je rate des subs ou des donations, promis, je les lirai à la fin de la game. On va essayer de se concentrer sur le cast. Gotaga avec un magnum en plein Pochinki. Attention, parce qu'il y a pas loin, ici... Je ne sais pas qui c'est ce streamer, il s'appelle Dimitri, visiblement, mais en tout cas il est pas loin de Godaga, le French Monster qui a récupéré un fusil à pompe. Pour l'instant, aucun kill, mesdames et messieurs, personne ne se tire dessus, il y a 90 personnes en vie. Et waouh, on a cette zone qui est tellement en bas à droite, tellement en bas à droite. Alors ça c'est assez incroyable, c'est-à-dire que là, on a quand même une zone extrêmement dangereuse. Il va falloir que beaucoup de gens se déplacent en fait. Ça va être ça le petit problème de cette zone. Par exemple, les gens qui sont actuellement à Severny, comme Damien, Ace Modai et tout, qui sont deux très bons joueurs par exemple, eh bien, ils vont devoir bouger assez rapidement. Attention, on va bien avoir les véhicules parce qu'en plus, leur vie, elles sont catastrophiques. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas aller au-dessus de 75%. Qu'est-ce qui fait Pika Powner? Oh! Gotaga est mort! C'est Dimitri qui l'a buté avec un headshot au S1897. Robalas est mort également avec que des fusils à pompe. C'est Kedrian. Putain, Gotaga qui meurt en premier, c'est terrible! Ah, c'est pas son event, mesdames et messieurs. Possible de l'avoir en vanilla cette zone? Ah, j'ai rien modifié sur la game. La game n'a pas du tout été modifiée. Donc, il n'y a aucun changement qui a été fait. C'est que des zones et des changements qui sont sur le jeu en termes de vanilla, en termes de réglage. Ok, attention. MXGMC qui va affronter MXPTV. Plus trop d'HP, mais il va le poursuivre. Il sait qu'il l'a touché. Va-t-il le suivre? Il va le suivre, visiblement. On va se mettre dans la vue de ce joueur-là. Attention, en third person, il a été vu. Va-t-il se faire décaler? Il se fait pas. Oh, il va pas se faire décaler, mais il a fermé la porte ici. Ça cherche pas le fight. En tout cas, ça a essayé de prendre les infos en third person. Je sais pas s'il va le voir. Il l'a pas vraiment vu, mais en tout cas, ils sont en train de se battre. Mais Gotaga mort en premier, terrible! Ça valait bien le coup de remake. Mais on pouvait pas dire ça, on pouvait pas savoir. Ok, ils ont les infos. Oh, il l'a eu. Il y a Aro qui est mort. C'est THZ qui l'a tué. Aro qui est mort, tué par Millennium THZ. Avec le micro Uzi, sûrement en pleine ville. Ici, on a un combat entre Mr. X Game et MXPTV. Ça cherche du fight, hein. Damien 7 qui a tué Ace Modai. Ace Modai, Asmodai, catastrophique, des bons joueurs qui tombent hein, ici, beaucoup de bons joueurs qui sont tombés, et ça c'est très très bon pour les joueurs suivants, pour les joueurs qui sont un peu moins forts et qui vont viser la survie, puisqu'évidemment, ces joueurs-là, eh ben, ils vont pouvoir aller faire des games de type prospère, comme on les appelle, hein. C'est assez impressionnant en général, une game de type prospère. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je suis en train de charger un petit peu certaines zones, bien sûr. Neiruo, qui est ici. À côté de Niège Dan qui campe dans son carré VIP, comme on pourrait dire. Attendez, Sir Aza qui vient de tuer Lutti. Arcos qui a tué Dalkai 59. Beaucoup de kills en ce début de partie, alors que les gens essayent en général de un petit peu s'éviter. Mais là,
pas d'esquive possible. Alors par contre, il va falloir bientôt sortir de la zone, parce que là, je vois des gens qui campent dans des maisons. Non, lui, il campe pas, mais quelqu'un à côté de lui était en train de camper, il me semble. On est en pleine cambrousse. Mister MV, tiens. Mister MV, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il a son Uzi. Il a trouvé quand même... non, c'est un S12K qu'il a. Il est encore en train de looter. Il est assez loin de la zone. Mais pour l'instant, on peut dire que ça va quand même. Terracide, comment ça se passe pour le one kill? Terracide qui va essayer de prendre le shoot sur XUTV qui fait le bait à la moto. Terracide, Terracide, le bait à la moto. Vous vous rendez compte? Vous rendez compte? Hop, c'est touché pour une première balle. Ok, 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 pas de troisième balle. Il a pas de viseur, Terracide, c'est un peu compliqué. Chris a tué Sakabit. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, il va falloir penser à changer de pseudonyme hein, pour les événements communautaires, bien sûr. Hein. C'est pas de bannissement à vie. Alors, Terracide qui se retrouve entre deux feux. Non, c'est XUTV qui se retrouve entre deux feux, puisque c'est Sanoa juste à côté de lui qui va pouvoir peut-être faire le kill. Alors que pendant ce temps-là, Terracide a toujours sa moto pas très loin. Sanoa qui a failli tuer XUTV. Sanoa est très sereine, puisque bien sûr, elle a vu que XUTV avait été attaqué par quelqu'un. Mais c'est quelqu'un, c'était Terracide qui s'enfuit avec sa moto, mesdames et messieurs. SKS silencieux, c'est vrai, mais pas de viseur. Voilà, il s'en va avec sa moto enfin. Et peut-être que là, XUTV va sortir, mais il sait qu'il y a quelqu'un d'autre dans son alentour. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Il n'a pas vraiment beaucoup... Terracide qui a abandonné sa moto pour prendre un buggy. Il trouvait ça visiblement trop dangereux. Sanoa qui va peut-être voir Terracide s'échapper, mais qui ne va pas tirer, visiblement. Non, a priori, non. XUTV qui... Mais qui a FK dans sa maison en attendant de se soigner? Évidemment. Évidemment. Sakabit, c'est Kawaii SC2. Ouais, faut pas l'inviter. Hein. Faut plus l'inviter, ce genre. Hein. Les pseudonymes comme ça. Alors, Hero. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Hero? Notre bon vieux Hero G qui est tout en haut de la map. Et qui fait le grand tour pour arriver à la zone. Mais il va lui falloir beaucoup d'essence. Il va lui falloir beaucoup d'essence pour faire ça. Je sais pas s'il va pouvoir y arriver. Alors, la zone évidemment se resserre. Il y a un drop en plein milieu là. Mais qu'est-ce que c'est que cette zone de malade? Pourtant, j'ai changé aucun setting, je vous jure. Oh, Juice qui a failli attaquer Mister Timoth. Il continue d'essayer de viser Mister Timoth, il l'a touché une fois. Il a quand même un silencieux. Le bon vieux Juice, silencieux sur son AK, hein, l'arme qu'il déteste le plus au monde. Il continue d'essayer de lui tirer dessus. Il ne l'a touché qu'une fois. Pas vraiment de danger. As de pique qui a tiré sur je ne sais quoi. Il a tiré sur quelque chose. Ou alors il s'est fait tirer dessus. Tu vas nous mettre le fond de scène en wallpaper, s'il te plaît. Il est trop beau. Ma soeur est fan, elle passe le bonsoir. Merci, Steelpot. Je sais pas, ouais, il faudra que je. Peut-être que je fasse ça à la limite. Kanjo Failmaster qui est ici. Hypierre qui est tout au fond. Pyrorka qui s'est mis en dessous dans la zone, dans un village un petit peu tout seul. Pour l'instant, pas mal, il faut le dire. Et ici, on est au pont avec Caribou qui va affronter Mister Timoth. Petit problème dans le spec mode, mais en fait, il lui tire dessus même si ça se voit pas. Hein. Ok, Mister Timoth qui a choisi de foncer vers l'eau pour essayer de traverser le pont, mais du coup, il va devoir le traverser à la nage. Caribou va le poursuivre pour essayer de le tirer dessus dans l'eau. Mister Timoth qui a décidé de ne pas aller au pont. Oh, attendez, Caribou qui va peut-être traverser le pont du coup et aller l'attendre de l'autre côté. Bien joué, Mister Timoth qui nage. Pendant ce temps-là, merci à toi, Onitz, pour les 1 an de sub. Caribou qui traverse le pont. Caribou qui traverse le pont, qui va essayer de cueillir Mister Timoth, mais on a Narcus. Narcus qui est sur le pont. Et qui tente de tirer sur Caribou, qui est lui-même aussi sur le pont. On tire en troisième personne, Narcus, sur le côté du pont. Il est mid-life, hein, Caribou. Il est mid-life. Narcus qui s'était planqué, le fourbe. On continue de tirer en troisième personne, Narcus. Il ne sait pas qu'il y a Timoth en dessous. En tout cas, Narcus, le gardien du pont. Le gardien du pont, l'unique représentant de Solari, mesdames et messieurs. Merci Carno pour le sub. Princesse Poons qui va arriver pas loin. Là, on a vraiment cette bataille du pont. On a Shishayu qui est en train d'affronter Maxildan, qui est en train de lui tirer dessus, mais pas de kill pour l'instant. Narcus qui continue de garder son pont. Qui va essayer d'attaquer Hugo Délire. Hugo Délire en moto, ça va peut-être être compliqué. Hugo Délire qui n'a pas été touché. Narcus, Narcus qui est rouillé. Hein. Narcus qui est rouillé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Mister Timoth qui est en bas, qui va arriver. Et Princesse Poons qui traverse avec son bateau. Alors attention, est-ce que Mister MV ne va pas avoir de chance au point de se faire tuer par Narcus? Il est en train d'arriver, Mister MV. Attention, il est en buggy, visiblement. Il se fait tirer dessus par Narcus. Narcus qui tire sur Mister MV. Mister MV qui fait du slalom, du zigzag le plus possible. Il se prend des murs. Mister MV qui a pris quelques balles, qui se rapproche de Narcus sans le vouloir. Et Mister MV qui passe, qui est un petit peu plus haut que midlife. Ça passe pour Mister MV. Va-t-il prendre une ou deux balles supplémentaires? Il s'arrête! Il va peut-être tenter le fight. Narcus va-t-il tomber du pont? Pour l'instant, non, on ne sait pas. Mister MV va-t-il tenter le combat? Non, pour l'instant, il se met derrière le poteau. Ça y est, il a enfin compris d'où ça venait. Mister MV, ce bon vieux Xavier. Quoique, non, il n'a pas l'air d'avoir compris. Mister MV va-t-il mourir? Va-t-il comprendre que Narcus, en fait, est sur le pont? Va-t-il tenter le shoot? Va-t-il tenter le kill? Narcus, ça lui ferait bien plaisir d'avoir un kill et de pouvoir récupérer quelques loot. Ce serait pas mal. Mister MV qui décide de fuir le combat le plus vite possible. Narcus va essayer peut-être de le poursuivre. Oui, il tente de le poursuivre, de viser au point rouge. Un petit peu en first person quand même. Narcus,
attention à pas se faire avoir voilà, par d'autres personnes qui traverseraient le pont, et j'ai l'impression qu'il abandonne. J'ai l'impression qu'il abandonne parce qu'il se dit, si quelqu'un d'autre traverse le pont, je vais être dans la merde. Et il a pas tort. Qu'est-ce qui se passe pour Malaria ici? Ça se fait tirer dessus. Ça se fait tirer dessus par Kameto. Kameto qui a tué Malaria en plein milieu d'un champ. Il l'a tué d'assez loin. Il voit aussi Ilius. Il va lui tirer dessus. C'est touché. Mais dis donc, mais Kameto super en forme. Par contre, il va falloir qu'il trouve le cadavre de la personne qui vient de tuer. Ça va peut-être pas être évident. Or, beaucoup de kills en même temps. Alors attendez, ça c'est assez rigolo parce que là on a Lexa. On a Lexa, mais en fait on a aussi Kanjo Failmaster. Et en fait on a les survivants des bateaux. Les survivants des bateaux, voilà, il se met à la deuxième place et il essaye de temps en temps de tirer sur Kanjo Failmaster. Je vois que Arcos vient d'être tué par THZ, d'après ce qu'on a vu dans le kill feed. Alors évidemment, ça va être un petit peu le bordel à observer jusqu'à la fin de la partie où les fights vont se resserrer, donc je vous prie de m'excuser si je rate des fights. Shishayu qui attaque Gigi à la 4X. Shishayu qui s'est mis dans les rochers. Attention, Shishayu qui tombe. Oh là là, il s'est mis à ramper, ça va. Il a évité les gros dégâts de chute. On a Gigi qui est juste là, on a Yuna qui est aussi là. Alors le problème c'est que là Shishayu va tenter de traverser, mais il y a quand même une sacrée nage à faire. Maxildan qui a déjà commencé, Mangor qui est mort, tué par XUTV. Maxildan qui a déjà commencé à nager. Alors là la zone va commencer à faire mal, c'est-à-dire que là vous avez des gens qui sont très loin de la zone comme Pakam, Balrog 22, Gilias, ces gens qui n'ont pas de véhicule. Et alors ça c'est une catastrophe, ça c'est une belle catastrophe. On a As de Pique qui est tout seul dans sa maison ici, très loin de véhicule éventuel. XUTV qui vient de looter sa cible. Mr B-Boy 45 qui est ici avec une moto sidecar. Alors attention à Mr B-Boy 45, parce que Mr B-Boy il m'avait dit je suis dégueulasse au jeu mais je vais essayer de me planquer. Donc attention, attention à lui, Mr B-Boy 45. Attention à pas se faire avoir par cette moto. En tout cas il est poursuivi par la zone hein, qui le suit juste à côté. A voir si cette moto sidecar va lui jouer des tours. Mr B-Boy 45, pour l'instant mesdames et messieurs ça va très bien pour ce joueur. Gigi qui s'est fait avoir par Juice à l'AKM. Cette moto sidecar, ça se retourne. Non, ça va, il est serein. Mais comme je sais qu'il n'a pas tant joué que ça au jeu, Mr B-Boy 45, je sais qu'il pourrait lui arriver des bricoles avec sa moto sidecar. Ça va, il est hors de danger, hors de zone. Il va pas en profiter pour se soigner, mais il va en profiter pour reprendre son souffle, visiblement. Gidias a tué Balrog 22. On verra si Mr B-Boy chute ou meurt de chute ou quoi que ce soit. Alors personne n'est allé récupérer ce drop. Alors là, c'est assez rigolo. On a une bataille navale. On a Kenny, Hypierre, Jeffs 972, Princess Poons et Roger. Ils sont tous là, bah, un petit peu dans ces eaux-là, on peut vraiment le dire. Kenny Stream, Princess Poons, Hypierre, ils sont en bateau, ils attendent de voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire. C'est bien la première fois qu'on voit des vraies batailles navales dans PUBG en tout cas, avec la volonté de survivre bien sûr pour tout le monde. Fukano qui traverse le pont. Qu'est-ce qu'il nous fait? Fukano qui est au milieu du pont. Bait-t-il? Est-il en train de faire un bait? En faisant genre oh, attendez, parce que là il y a Future 337. Du coup, il sait pas si ce buggy est inoccupé. Mais c'est vrai que de derrière, on pourrait croire que c'est inoccupé. Donc est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est le cerveau du joueur Minecraft? Ou est-ce qu'il est juste AFK? Ou est-ce qu'il est juste AFK? Parce que les deux sont possibles. Les deux sont possibles, en tout cas c'est assez osé. Ou alors peut-être qu'il a buggé. Peut-être qu'il a buggé et qu'en fait il n'a jamais été ici. Dans tous les cas, c'est assez rigolo et assez cocasse. Bref, il y a du fight ici, Aikinu et Xerac. Merci Vekaras pour le sub. Mr B-Boy 45, on le retrouve avec son sidecar ici, qui va partir sur le pont en direction de la zone finale. Il fait quoi Fukano? Je sais pas, j'en sais rien. Quelqu'un a prévu que c'était pas Mario Kart. Oh, sur à la caissière, Ilius qui arrive en UAZ ici, en Waz. Xerac et Aikinu dans la maison. On voit tout le monde qui essaye de se diriger vers le pont, hein. Bien sûr c'est normal. DJ Boucherie est mort à l'extérieur de la zone de jeu. Catastrophique, catastrophique, totalement catastrophique. Blastscreen sur le pof de Fukano. Je vois qu'il a déco visiblement. Peut-être petit plantage. Ça arrive. Il a bugué dans son buggy. Terrible. Ça explique ta plantée. Fukano a crash. Bon, écoutez. Tant pis. Il peut se reco à la game, cela dit. Il peut se reco à la game. Aikilu est contre Xerac. Aikilu a décidé de s'en aller cette maison. Poursuivi par Xerac, peut-être. Va-t-il prendre le fight? Il ne sait pas qu'Aikilu est descendu en fait. Aikilu a fait le tricks fenêtre ou il est parti par le balcon? Putain, je crois qu'il a fait le tricks fenêtre. Ou alors il est parti par la porte. Mais du coup, Xerac s'est fait complètement fromage. Il n'a pas réalisé que son adversaire. Ah, mais on a calé le UAS dans une. Ah ça c'est dommage, c'est Ilius évidemment. Pantoufle est mort noyé à l'instant. Pantoufle mort noyé, c'est bien dommage. Bon, Fukano 1, on va attendre de voir s'il se reco hein, mais sinon ce sera évidemment un kick pour éviter les problèmes. De toute façon il mourra de la zone assez rapidement, la prochaine zone normalement. Alors qui se tire dessus? C'est Aikiliu qui tire sur Ilius. Attention parce que quand on tire... Oh là là, Dizzy qui a chuté. Dizzy qui a chuté avec sa moto. Chris qui vient de se faire tuer par Narcus. Juice a tué Nanar Biceps. Terrible Juice qui fait tant de kills. Tant de kills pour Juice. Si on fait tam un petit peu, on voit THZ qui a 2 kills. Évidemment, on voit aussi Kung Fu's qui a 2 kills. Et je pense que Juice en a 3. Il me semble en avoir vu au moins 2. Mais je pense qu'il en a 3.
l'avion qui arrive, bien sûr, sur à la caissière qui vient d'être tuée par Beast Model à l'intérieur de Novorepnoye. Et ici, on a Aikiliu qui va se rapprocher pour peut-être tirer sur le bateau et peut-être avoir Ilius. Il faudrait l'avoir parce que il lui a volé son moyen de sortie. Va-t-il l'avoir, Aikiliu? Pour l'instant, il essaye de lui tirer dessus, mais c'est compliqué. On a THZ qui est dans l'eau également. Il y a quelqu'un derrière lui en plus, hein. Il y a Xerac. Vous le savez parce qu'on y était tout à l'heure. Oh, attention, il se fait tirer dessus par Dizzy. Dizzy ES. Oh là là, Aikiliu qui est mort sous les coups de Dizzy ES en haut de la montagne. Terrible. Dizzy qui a affronté le joueur canadien et qui a réussi à eh bien, l'avoir. Alors Magic Vodka qui va mourir de la zone. Et je trouve ça toujours très drôle, hein, de voir des gens qui vont peut-être mourir de la zone. Moment à tuer Pierre Orca. Ah, Kameto est mort à l'extérieur de la zone de jeu. Dommage, Kameto qui n'avait pas trouvé de véhicule, qui lui pourtant avait fait un kill et était très en forme. Alors là, il va y avoir une mort à l'extérieur de la zone de jeu. Voilà, c'est Magic, Magic Vodka. Donc une pensée émue pour ce joueur qui va mourir quasiment à côté de la zone. Oui, Fuka qui est mort. Ah, Xuxu TV qui a été tué par Jiraya. Mikalo qui a tué Yonix avec une grenade assourdissante qui est en fait une grenade. Et voilà, c'est une mort de zone pour Magic Vodka. Ça y est, c'est fini. Boum! Terminé. Magic Vodka est mort à l'extérieur de la zone de jeu. Il s'est arrêté, dépité. Narcus qui vient de tuer Kunfuz. Princess Poons qui s'est fait tuer par Zinko77. Ça va devenir difficile de suivre les fights, mesdames et messieurs, mais on va essayer de s'en rapprocher le plus possible. Oh, mais attendez! Zinko77, il était là! Et il a tué Princess Poons dans son bateau ici! Wow, alors ça, pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Hein. Il est parti en observation. Il avait arrêté son bateau. Je savais même pas qu'on pouvait monter ici. What the fuck? Zinko77, pas mal du tout. Bravo. C'est toujours la première game pour ceux qui viennent d'arriver, en effet. Vous avez le classement qui se met à jour, bien sûr, sur le site, plus ou moins en temps réel. Jiraya TV. Jiraya TV dans la tourmente. Mikalo et Damien Z. Mikalo qui va faire un saut avec sa moto pour aller dans l'eau. Attention, il a pris des dégâts du fond. Comme quand vous êtes dans une vague et qu'avec le rouleau, vous vous retournez la gueule. Mikalo qui arrive à sortir de sa moto. Oui, non, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Est-il coincé dans sa moto? Non, ça va. Merci Yadou pour le sub. Et merci à Xinos HD et à Chapinou juste avant. Alors la zone rouge dans l'eau, comment ça se passe? Est-ce que la zone rouge peut avoir des gens dans l'eau? Je suis curieux de savoir. Écoutez, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Est-ce que la zone rouge peut tuer quelqu'un qui est dans l'eau? On va voir. On va voir, on va voir. Attention. Game prospère. Faut voir, faut voir. Sur quel site il y a le classement? Vous avez le classement sur le site FFS Event qui est... L'adresse est sur mon dernier tweet. Si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci. Normalement, vous avez l'adresse. Mais sinon, pour avoir l'adresse, c'est ffs-events.zerator.com. Donc, voilà. Alors, la zone rouge, est-ce qu'elle va tuer des gens dans ces eaux-là? En fait, non. La zone rouge n'influe pas sur l'eau. Visiblement, ça n'arrive que sur la terre. Formidable. Bon, beaucoup de nage, hein, pour cette zone que je vous rappelle, je n'ai pas configuré moi-même. Et la prochaine zone qui vient d'être en place, on a Terracide ici qui a réussi à trouver une maison à camper. Et ça, c'est toujours le bon truc, hein, bien sûr. Trouver une maison à camper pour les derniers bords de zone. Zoltan TV qui arrive ici. Chelsea qui est en train de tirer sur Tuffers et qui l'a eu dans son UAZ avec la 4X. Bien joué, Chelsea qui a affronté Tuffers qui avait pourtant son UAS. Dommage, mais c'est la mort pour ce joueur. Jiraya TV va-t-il mourir à l'extérieur de la zone à un pixel de pouvoir s'en sortir? La réponse. Et oui. Vous voyez ce corps? C'est celui de Jiraya. Vous voyez ça? C'est la zone qu'il devait attendre avant de s'en sortir. Et ici, on a Juice. Ici, on a Juice qui s'arrête avec une moto juste en bord de zone. Jiraya catastrophique. Jiraya catastrophique qui s'est fait avoir par la zone. Dommage! À un pixel. Oh, il doit être content. Il doit être extrêmement content. Alors là, on a Xerac qui a vu Juice arriver. Alors allons voir si Xerac va pouvoir arrêter la progression de Juice qui pour l'instant est très en forme. Neyla qui s'est fait tuer par Neyru. Attention, Juice qui reprend sa moto. Et là, il lui faut Xerac, il lui faut ce kill parce que comme ça, il aura la moto de Juice qui lui permettra d'aller à la prochaine zone. Il faut absolument que Juice lui libère sa moto. Alors il n'a pas de casque, attention. Attention à Juice, le joueur italiano. Italiano-français. Il attend derrière la zone un petit peu de Juice. Allez, Xerac qui part au pont. Il se dit, oh, peut-être que je l'ai raté. Je sais pas, peut-être qu'il est déjà passé. Alors qu'en fait, Juice va devoir reprendre sa moto pour repartir très bientôt. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ce fight. Il s'avance quand même, Xerac, parce qu'il se dit, si j'arrive pas à l'avoir et tout, faut quand même que j'avance un petit peu pour la zone. Donc attention. Ingestion d'une boisson énergétique. Voilà, il va essayer de prendre de quoi ce boost. Juice qui attend un petit peu derrière la zone. Parce qu'en fait, il a une moto, Juice. Donc il sait. Il n'y a pas de souci. Il attend de voir s'il n'y a pas des gens qui arrivent ici, Juice. Et il a raison.
qu'il a une moto, il a de quoi. Il a de quoi faire. Fugano qui me host. Fugano qui a des problèmes, visiblement. Et voilà, Juice qui part. Xerac l'a entendu. C'est maintenant qu'on va savoir ce qui se passe pour Juice. Est-ce qu'il va pouvoir résister à ça? Ah, son premier balle raté. Ça a touché ici. Deuxième balle. Troisième balle, peut-être il tente de l'écraser. C'est raté. Juice a été tué par Xerac. Terrible. Juice qui s'est fait avoir. Il a réussi à éviter de se faire écraser. Mais en plus, il va récupérer sa moto et ses loot. Bien joué à lui, Xerac. Il a été meilleur, comme on dit dans le milieu. Attention. Ça chase ici. Mister X Game et Gary School. Qui sont collés. Gary's Cool, petite game dans les toilettes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Agon, merci pour le sub. Mister X Game qui essaie de faire peur à Gary's Cool. On a Moment qui est dans les buissons ici. Une sorte de duel entre ces deux personnes. Mais regardez par Moment. Attention, Gary's Cool contre Mister X Game. C'est raté pour Gary's Cool. Mister X Game qui saute du muret. Et alors là, c'est Moment qui va être derrière, qui va peut-être pouvoir prendre son truc. Non, il se cache. Il veut pas montrer sa position en faisant du bruit. Il a raison. Mister X Game, Gary's Cool, le muret juste en face. Ils se sont un peu perdus de vue, mais il va y avoir le kill très probablement. Et Roger qui arrive en bateau. On a toujours Zinko77 là-bas. Il est avec quoi? Il a une 2X et pourtant, hein, il essaye de sniper le plus loin possible tout ce qu'il peut. Ça, c'est vraiment pas mal. Il est sur son petit rocher là. Et alors là, on a tous les... tous les tristement célèbres nageurs. Voilà. Skok SC2, What the Fuck, Atrocious Cast, Show H1, Naomé, Damien 7, Mikalo. Tous ces gens qui sont hors zone en fait. Et qui sont en train de prendre des dégâts et qui sont obligés de nager. Et on a What the Fuck qui va arriver en premier, qui va peut-être tenter de faire un carnage en écrasant tout le monde avec son bateau, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que MV alive? Je ne sais pas, pour être honnête avec vous. Pour l'instant, c'est difficile de tout regarder. Ah voilà, Mister X Game qui a tué Pika Powner qui était venu en plus. Naomé qui arrive à franchir ici la plage. What the Fuck va-t-il essayer d'en profiter? Alors, le problème, c'est que là, il faut réussir à ne pas mourir, mais à la fois s'en sortir pour la zone. Voilà, What the Fuck qui est là, mais Atrocious 4 qui va essayer de se soigner. Naomé qui est juste devant, il va y avoir du kill là, il va y avoir du kill, parce que là What the Fuck il voit qu'il y a Naomé devant lui, on a aussi Skok qui a atterri, enfin qui a débarqué pardon, oh il va essayer de tuer Shaw, ok Shaw qui est mort, What the Fuck qui va peut-être tirer sur Naomé, non il a entendu les tirs derrière lui, il se retourne, Atrocious 4 pardon, qui est derrière, Damien 7 qui est tout au fond, qui va sûrement mourir de la zone, hein. Damien 7 très probablement, là il faut essayer de gratter des places, Gary School a tué Mister X Game comme vous pouvez le voir, Skok qui... avance, What the Fuck qui est dans un buisson. Naomé qui va mourir de la zone d'après ce que je comprends puisqu'elle n'a pas de heal. Oh, peut-être le kill. Atrocious 4 qui a un HP qui est mort de la zone. Skok qui ne le sait pas, mais il va quand même aller le looter, c'est normal. Naomé qui va mourir de la zone. What the Fuck qui s'est heal. Damien qui s'est heal aussi, qui en profite pour essayer de nager à l'extrémité totale. Skok qui se fait tirer dessus par What the Fuck qui est mort. GDS a tué Neru OW, futur 37, ici qui affronte Xerac de l'autre côté de la montagne. Pour l'instant, un combat à sens unique. GDS qui est allé chercher le drop, visiblement. Ah, il ne l'a pas vu. C'est normal. Ok, là, il l'a vu, non? Ah, il l'a toujours pas vu. Ça y est, il l'a vu. Non! Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il va l'avoir. Très probablement, voilà. Et il avait une très bonne arme, mais il ne le sait pas. Rossancube a tué Chachatoy avec un headshot à la KM. Je suis content de pouvoir réussir à attraper des frags, même si, évidemment, pas tous les attraper. Alors, est-ce qu'il y a encore des gens à l'extérieur de la zone de jeu? On a Damien 7. On a Drunge. On a Rossancube. Et sinon, tout le monde est à peu près dans la zone. Chexy, toujours ici, posé sur sa colline. Il est finalement pas très loin de la zone, donc c'est plutôt pas mal. Ok, là on a un fight assez compliqué. Enfin, des gens assez retirés, puisqu'on a THZ, Terracid et Jogo. Alors que Link, d'ailleurs, j'ai pas vu Link dans la game. Il a dû soit mourir au début, soit pas de join. Terracid qui va faire le tricks fenêtre pour sortir. C'est bien joué à lui. Il sait qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Par contre, attention, il va changer de pose. Il se met dans le cabanon. THZ qui a son UAZ qui s'en va. McLaughlin dans l'eau là-bas avec Mikalo, Kenny, Lexa. Putain, Mikalo qui arrive à allier vraiment la survie. Et le kill, ok, il se met sur la deuxième place, Mikalo, et il s'est fait tuer par Zinko77, qui est un bon joueur d'H1. On a Zoltan qui est juste à côté. Putain, mais Zinko, il a combien de kills? Zinko77, deux frags, mais quel frag! Mikalo, le tenant du titre qui vient de tomber, mesdames et messieurs, alors que Kenny est encore en train de nager pour rejoindre cette zone. La zone, justement, elle est là, elle s'avance, Lexa est en train d'avancer. Ça se resserre, plus que 27 personnes en vie, Sanwa qui affronte Caribou. Derrière l'arbre, Jogo a tué Terracid. Jogo a tué Terracid qui était pourtant dans son cabanon, mesdames et messieurs. Chexy ici, Hugo Délire, What the Fuck qui est là. Damien 7, toujours pas mort à l'extérieur de la zone, mais ça va faire de plus en plus mal. Hein. Ça va faire de plus en plus mal, ça va être compliqué. 577 qui affronte Lexa, qui s'est mis dans l'eau. Zoltan TV toujours dans l'eau. Il y a un drop qui arrive, je sais pas si vous avez vu. Il y a un drop qui arrive un petit peu plus haut. Est-ce que Shishayu va aller le chercher? Jeff 972 qui affronte Sanwa derrière l'arbre. Compliqué, il y a encore beaucoup de monde et ça se resserre, donc difficile de suivre les frags, bien sûr. Ça va être de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on va se rapprocher. Je pense que Damien 7 va mourir de la zone. En tout cas, il s'est arrêté, il a l'air d'abandonner. Futur 337
qui a achevé quelqu'un qui était en bord de zone. Chexy qui est juste à côté et qui a entendu. Qui a entendu, donc qui va aller voir. Attention. Attention. Elle va aller voir. Elle voit personne ici. Elle voit qu'il y a une smoke. Très bon bait, en vrai. Très bon bait de futur 337. Est-ce que ça va être vu? Est-ce que ça va être entendu? Oh là là, on n'est pas loin du tout. On n'est pas loin du tout. Futur 37. Il faut jouer avec les oreilles. Joueuse de CS. On n'a pas entendu. Adieu. On n'a pas entendu et pourtant, il y avait du bruit. Eyar qui a tué Hero. Kenny est mort à l'extérieur de la zone de jeu. Damien 7 est mort à l'extérieur de la zone de jeu. Mesdames et messieurs, il reste tellement de gens et c'est une zone tellement complexe avec beaucoup de relief. Shishayu qui est en train d'affronter Niejdan qui est dans l'eau. Niejdan qui ne prend pas de balle parce que vous savez, tirer quelqu'un dans l'eau, c'est assez difficile. Ça va devenir plus facile dans la prochaine mise à jour, mais la prochaine mise à jour, elle ne sort que dans 2 jours. Donc dommage. Shishayu qui s'est fait affronter par What the Fork. Perdu quelques HP. Zinko 77 qui continue de tirer sur, sur les gens qui sont dans l'eau en fait, tout simplement. Putain, mais cette zone de fin incroyable, regardez-moi ça. On a les gens qui contrôlent des bouts de rochers, des bouts de cailloux, avec des bateaux qui ont accosté, etc. Zoltan qui continue de, d'être à travers les flots, à travers l'eau, bien sûr. Moment qui est toujours caché derrière son petit rocher. Zinko 77 qui met des petits coups avec son Car 98. What the fuck qui se fait avoir, mais par qui? Par THZ, bien sûr. THZ qui va faire le frag sur What the fuck. Non, qui ne fait pas le frag, qui va tenter la grenade. Oh là là, c'est compliqué. Alors la grenade, elle est où? Elle est ratée, dommage. THZ qui va peut-être s'avancer pour essayer d'aller chercher le kill. Il sait qu'il l'a touché. Il va donc se rapprocher pour essayer de pressure. Pressure and push. Il a vu. Il a eu l'info, il va monter sur le caillou. First person. Oh, et c'est fait. C'est fait de très peu. Sanwa a tué Narcus avec un SKS. Futur 337 qui est ici en train d'essayer d'avoir Sanwa qui vient d'avoir Narcus. Donc il faut se cacher de plusieurs endroits à la fois. Magnifique FFS, Eyar en force. Merci beaucoup. Attention, Futur 337. Qu'est-ce qu'il fait? Ça a fait le bruit d'une grenade. Et pourtant c'était une fumée. What the fuck. Il a la batté, qu'est-ce qu'il fait? Il veut tenter le kill à la batté ou quoi? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Futur 337? En tout cas, il faut se rapprocher de la zone, parce que la zone, elle commence à faire assez mal. Et quand elle va en plus s'arrêter, ça va être encore pire. Il va peut-être faire le kill sur son adversaire, mais il peut pas. T'as pas le temps! T'as pas le temps! Est-ce que tu veux un kill? Est-ce que tu veux te soigner? Il tente le soin, mais c'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. Ça va être la mort de la zone. Oh, quoique! Il a réussi. Il a réussi, il est pas loin! Jeff 972 n'est pas loin non plus! Oh là là, non, ça va être la mort, la zone fait beaucoup trop mal, il fallait bouger avant. Il fallait bouger avant et c'est mort pour Jeff 972, c'est mort exactement de manière similaire par Futur 337, pardon. Et Sanwa qui a réussi à faire le kill sur Caribou. Sanwa qui n'en peut plus de buter des gens. Là on est à 3 frags, 2 frags, 3 frags, 1 frag, 4 frags, 1 frag, 1 frag. Oh, Lexa a tué Zinko 77, il nous reste Zoltan, Niejdan, Eyar, MTHZ, Sanwa et Moment, toujours aussi discret. Finalement, Zinko 77 qui se sera fait tuer par quelqu'un. Lexa qui est ici. Il reste très peu de gens. Il reste très peu de gens, mesdames et messieurs. Il reste 8 personnes. Vous les voyez ici. Vous les voyez tous, je pense. Donc en bas, Zoltan, Niejdan, THZ, Lexa. À gauche, Moment Garry's Cool. Au nord, dans la forêt, Eyar Sanwa. Catastrophe. Attention. Attention pour ces fins de combat. THZ qui tire sur Lexa. Qui essaye, du moins, ça ne passe pas pour l'instant. La prochaine zone va pas tarder à rétrécir dans 30 secondes. Garry's Cool va devoir bouger, il le sait. Moment va devoir bouger, il le sait. Il a commencé à bouger, il est déjà à l'extérieur de la zone. Sanwa et Eyar sont les deux qui doivent le plus bouger, bien évidemment. On va voir ce qui va se passer. Difficile. Très difficile ici pour les joueurs-là de prendre des décisions. Zoltan toujours en train de nager. Comme quoi? Comme quoi, mesdames et messieurs? Bon, en tout cas, honnêtement, c'est quand même assez, c'est quand même assez incroyable cette fin de zone. C'est incroyable cette fin de zone. Ok, THZ contre Sanwa. Sanwa va peut-être voir THZ. Est-ce qu'il va y avoir combat? Sanwa très en forme. Il va falloir l'être pour affronter THZ. Elle le voit. Elle ne sait pas qui c'est, évidemment. THZ qui a entendu les tirs. Il va se retourner. J'ai peur pour Sanwa. THZ qui a l'info. Aïe, aïe, aïe. Mauvais emplacement, mais... Le soin. Le soin, vite. Merci Exilia pour le sub. Et merci Biosix pour le joyeux Noël. Ok, il y a un autre combat pendant ce temps-là, c'est Eyar qui se fait tirer dessus en traversant la pampa. Garry's Cool est mort à l'extérieur de la zone de jeu. Sanwa est morte à l'extérieur de la zone de jeu. Lexa a tué Niejdan. Tout ça se passe en 2 secondes. La fumée qui sauve Eyar in extremis. La zone se rétrécit, elle fait extrêmement mal, elle a fini de rétrécir. Le prochain shrink est en bas. Zoltan est le seul placé.
dans ces eaux-là, alors que Lexa est carrément au milieu de la falaise. THZ est sur le bord. THZ, joueur handicap avec tiers 2, je vous rappelle. Et le handicap tiers 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a droit qu'aux équipements tiers 1, sauf le casque en tiers 2. Et aucun droit aux seringues adrénaline ou aux boissons énergisantes. THZ qui a été vu par moment, visiblement. Il sait qu'il y a Lexa aussi de ce côté. Compliqué de gérer ce combat pour le joueur Millennium. WarriorZZG, merci beaucoup pour ton sub. Il y a du tir de moment sur peut-être THZ, peut-être qu'il l'a loupé. Du coup, il se trahit un petit peu. Eyar qui est en train de ramper dans ces buissons là-bas, mais qui va devoir avancer. Eyar, c'est la situation la plus difficile. Ok, grenade de moment peut-être. Dommage. Oh ! Oh là, c'est tellement dommage. Il a tellement failli réussir cette grenade. Il sait exactement où est son adversaire, mais c'est difficile de lancer une grenade à cet endroit-là. Il retente. Non, c'est raté, encore une fois, elle va tomber. Imaginez, il tue Lexa avec sa grenade sans faire exprès. Ce serait incroyable. Même pas de sac tier 2. Non, même pas de sac tier 2. Les handicaps sont très complexes pour le joueur tier 2, évidemment. Bon, alors Zoltan, toujours dans l'eau. Il va être dans le shrink, hein. Peut-être lui qui va gagner finalement. Et là, Eyar va devoir bouger. Eyar, je pense qu'il va mourir de la zone en vrai. Parce que là, il va devoir se lever et courir maintenant. Mais là, le tic de zone va faire extrêmement mal. Moment va le voir. THZ va le voir. Je ne sais pas qui va l'avoir, mais... Oh, est-ce que THZ va le laisser passer? On ne peut pas le croire. Non, il l'a vu. Il l'a vu. Et il est achevé. THZ qui a tué Eyar en l'air, malgré le petit saut. Ok, on va être sur le dernier shrink, il me semble. Ah non, il doit en rester un, peut-être. En tout cas, il nous reste 4 personnes en vie. Moment, THZ, Lexa et Zoltan. Voilà, c'est l'avant-dernier shrink. L'avant-dernier shrink. Le dernier shrink, il sera en faveur de THZ, figurez-vous. Et à peu près de Lexa. Je pense que Zoltan voit évidemment Lexa, hein, on est d'accord. Ouais, Zoltan voit évidemment Lexa, puisque évidemment dans sa vue, on est comme ça. Dans la vue de Zoltan, on est comme ça. Donc on voit qu'il y a une personne ici, dans la caverne. C'est bien caché ça! Il a quasiment pas de stuff, Zoltan, en fait il a quasiment pas loot. Il a passé son temps à nager. Quoi voir? Difficile, un moment peut encore le faire également. Bien que n'étant pas le mieux placé du tout, parce qu'il va devoir s'avancer en face de THZ. Peut-être devrait-il sauter, même aller sur la deuxième corniche, mais bon, nous on le sait parce qu'on sait où sont les gens, bien sûr, mais lui il se dit, putain, on est 4 dans cette zone, il sait qu'il y a THZ là, mais il sait pas où sont les deux autres, il peut pas le savoir, pour l'instant, il peut pas le savoir. Compliqué, hein. Compliqué. Zoltan le poisson, c'est ça. Zoltan qui nous fait une game prospère le cul. Cocktail Molotov sur THZ, mais c'est trop près, malheureusement, il tente un peu plus loin, c'est pas suffisant encore. Ah, il va pas y arriver. Ok, Zoltan qui bouge. Moment qui se fait avoir par THZ. Lexa a tué Zoltan. Et THZ a tué Moment. Ça s'est fait en 2 secondes. Oh là là, et donc c'est la finale entre Lexa et THZ. Qui a, je vous rappelle, un handicap de tiers 2. Sacrée victoire si jamais il y arrive. C'est quand même un sacré défi. Il peut encore se mettre un bandage pour se soigner un petit peu. Lexa qui est au niveau du bateau. THZ n'a pas l'info. Alors là, les deux qui sont là n'ont pas les infos. Du coup... Très très difficile, hein. Très très difficile ici. Oh là là là, ça va être le dernier shrink. Alors là, le problème c'est que THZ il perd s'il n'y a pas combat. S'il n'y a pas combat, qu'est-ce qui se passe? Le shrink va se resserrer jusqu'à ne plus avoir une seule zone safe. Et du coup, à la bataille du heal, comme on l'appelle, c'est Lexa qui gagne. Donc Lexa a tout intérêt à survivre le plus possible. Oh, ça y est, il a été vu par THZ. THZ qui arrive à tirer d'en bas, d'en haut, pardon, et c'est fait. THZ qui gagne cette première partie du FFS 2 avec 7 frags. Je vais faire un petit peu des screenshots du top et créer la deuxième game après 5 petites minutes de pause. Je remercierai aussi les subs et les donateurs en attendant qu'on revienne sur la deuxième partie. Bravo à THZ en tout cas, suivi de Lexa, Moment, Zoltan, Eyar, Niejdan, Sanwa, Gariskul, Zinko, Futur337, Caribou, Jeff972, Shishayu, Rossancube, etc. Vous aurez le classement sur le site. Nous, on se voit dans 5 petites minutes, je vais... envoyer le score aux admins histoire qu'ils vérifient avec le tableau. Et ensuite, on crée la deuxième game. A tout de suite, ne bougez pas. FFS continue juste après.